Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur le grand plateau de Marius en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. En 2019, lorsqu'il arrive à la tête de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi promet de créer des millionnaires congolais. Pour y arriver, il se propose donc de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. 4 ans après, qu'en est-il de la création de ces millionnaires? Combien de jeunes Congolais sont-ils devenus millionnaires aujourd'hui? La jeunesse voudrait remplacer la vieillesse à la tête de la RDC, lui reprochant d'être improductif. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Don Israël Mbouyi. Il est entrepreneur, directeur d'entreprise et président du Front commun pour la jeunesse, qui est une plateforme politique. Monsieur Don Israël Mbouyi, bonjour. Bonjour Marius. Merci énormément d'avoir accepté de venir sur le grand plateau de Marius. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, avant de nous parler de vous, vous êtes entrepreneur, vous êtes directeur d'entreprise et vos entreprises, il y a GMS et des Triplets, je ne sais pas si c'est… The Triplet Company. Yeah. Et vous êtes président du Front commun de la jeunesse en République démocratique du Congo, qui est une plateforme politique, et vous êtes enseignant aux universités. Mais si je vous reçois aujourd'hui, vous êtes connu pour votre franc-parler, vous êtes distingué lors de votre sortie, quand le président de la République avait reçu la jeunesse, vous n'avez pas eu froid aux yeux à lui dire exactement ce que la jeunesse pense, mais avec vos propres mots. On va regarder justement cet extrait avant de commencer notre conversation aujourd'hui. Regardons. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, monsieur le président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le président, pourquoi? Parce que ces Moko, Zijin, Sikomin, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, monsieur le président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît, parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites… En votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays. Comment est-ce possible? Voilà. Ça c'est vous devant le président de la République. Vous n'avez pas froid aux yeux. Vous lui dites des choses tout haut, que d'autres disent tout bas. Vous allez même jusqu'à parler des ministres, vous parlez du gouvernement. Je vais vous donner la parole parce que je pense que vous allez parler plus que moi dans cet entretien. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là. Mais je voudrais qu'on regarde une autre image. Je pense que cette fois-là, je veux dire, peut-être 3 ans plus tard, deux ans plus tard, vous revenez sur un podium, une rencontre entre le président de la République et les jeunes entrepreneurs congolais. Et là,
vous cassez la baraque. Pour la première fois dans l'histoire de la RDC, un jeune entrepreneur en public signe un chèque. Vous signez un chèque de près de 10 000 dollars que vous remettez au président de la République. J'aimerais qu'on regarde encore cet extrait et puis on se retrouve tout à l'heure. Chaque fois que nous rencontrons les autorités, que nous demandions quelque chose, mais mon pasteur Théophile Delphin m'a appris que quand on se présente devant le roi, on ne se présente pas les mêmes bredouilles. Parce que c'est vrai que les millionnaires sont en train d'être triés. D'une manière symbolique, au nom de tous mes confrères, entrepreneurs, que l'histoire retienne qu'une fois, un jeune de la République démocratique du Congo a offert de l'argent au président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, monsieur le président, ici, là, oui, nous ne sommes plus des mendiants. Sous votre impulsion, nous sommes en train de croître, nous sommes en train de prendre du volume. Alors, nous ne venons pas pour faire de mendiants. Nous venons pour vous prouver réellement que nous existons. Je pouvais offrir plus parce que la loi me limite à un certain montant. Je vous offre ce soir 9 999 dollars. Voilà, ça c'est vous qui offrez un chèque, vous signez devant le président un chèque de 10 000, près de 10 000 dollars, 999. Alors, voici maintenant le moment de parler, Monsieur Don Israël Mbouyi. Vous reprochez à la première intervention au président de la République de fabriquer des millionnaires ailleurs et de laisser les Congolais. Et deux ans après, vous revenez, vous signez un chèque de 10 000 dollars que vous donnez au président de la République. Est-ce qu'on peut dire que deux ans après, vous êtes devenu millionnaire congolais finalement ? Et déjà que la vidéo a été beaucoup plus explicite. Ça, c'était juste une portion. La première vidéo, est-ce qu'il faut que je commence par là ? Nous sommes partis d'une très grande frustration de plusieurs années. Les choses marchaient en reculant, comme on dit. Nous nous sommes donné beaucoup de peine, beaucoup de mal, de nous battre, de parler, d'écrire. Personnellement, j'avais été écrire au président de la République plus d'une dizaine de fois, des mémorandas lui adressés. Et ça ne parvenait pas à la bonne destination. Et les choses n'avançaient pas. Il fallait un certain moment que l'on porte ce courage de dire aux autorités ce qui ne marche pas dans le pays. En tout cas, je l'ai fait. Il fallait que je me dise que les choses ne marchent pas. Et véritablement, les choses ne marchaient pas. Rien ne marchait pas du tout dans le secteur de la sous-traitance. On tournait à rond. Les entreprises à capitaux étrangers continuaient à brasser des millions par centaines, par milliers, et c'est même le cas jusqu'à aujourd'hui à une certaine mesure. Et nous, on était à la traîne, on regardait notre pays être pillé, dépouillé de toutes ses ressources, sans rien faire. On avait pris ce courage de le lui dire, parce qu'il y avait certaines autorités, certains ministres qui agissaient dans le sens d'aider les entreprises à capitaux étrangers. Là, je parlerai de quoi ? De la corruption. Vous savez, le Congo est un pays, notre pays souffre, des grands mots, souffre de la corruptibilité de ses propres fils. Et quand je parle de la corruptibilité de ses propres fils, je ne parle pas des Congolais lambda, je parle de ceux qui ont accès au pouvoir, les décideurs. C'est eux, le plus gros mal congolais. On a dit au président, des initiatives ont été prises, entre autres, vous savez, à l'époque, j'avais parlé, j'avais exprimé mon mécontentement face à la nomination de l'actuel directeur de la RESPEI, l'honorable Michel, Miguel Chalkatem. Vous n'étiez pas d'accord qu'il soit nommé ? Oui, j'étais pas d'accord. Pour quelle raison ? Je suis franc. Parce qu'à l'époque, déjà, nous menions une lutte. Nous nous battions pour que les choses changent, mais le président avait jugé bon de prendre quelqu'un d'autre qui venait fraîchement de la politique, de l'arène politique, parce que nous avions ras-le-bol des politiques, parce que c'est les politiques qui compliquaient la vie de l'entrepreneuriat congolais. L'honorable Miguel Kachal était ministre provincial au Katanga. Pour nous, c'était quoi, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Et quand il a été nommé, et quelques temps après, j'ai eu à rencontrer le président à Colusie, dans mon fief, et je salue tous les entrepreneurs de Colusie en passant.
Et je lui avais dit que les choses ne marchaient pas du tout encore. Et le président nous avait mis ensemble avec le directeur Miguel Cachal-Catal pour discuter, essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait avancer et changer quoi, changer les choses. Chose que nous avions pu faire. Et depuis ce temps, nous avions commencé à travailler ensemble, harmoniser nos vues dans le but d'aider la jeunesse entreprenante congolaise. Quand je suis arrivé, on m'avait proposé de me donner, de m'offrir quelque chose. Et je vous dis, Marius, déjà que j'avais refusé, je ne me bats pas pour moi, je ne me bats pas pour mon ventre, je me bats pour tous ces entrepreneurs qui sont derrière moi, parce que je suis le président du Front commun de la jeunesse, je suis le président du Hub 243, des regroupements où se retrouvent des entrepreneurs. Et c'est par là que le DG Miguel avait compris, ah, donc ce monsieur ne se bat pas seul, et il nous avait invités ensemble avec mon groupe, nous sommes partis discuter, et dès lors, on a commencé à discuter, et pour se battre afin que les jeunes aient des contrats, des recommandations. Est-ce que les choses ont bougé depuis que vous avez fait cette... Oui, je serais malhonnête de dire que les choses n'ont pas totalement bougé. Les choses ont essayé de bouger, mais nous sommes encore très loin de la plaque. Est-ce que vous êtes, je reviens à ma question de départ, est-ce que vous êtes devenu millionnaire? Est-ce qu'il y a eu des millionnaires congolais qui ont été créés depuis lors? Bon, les millionnaires existent avant, dans la sous-traitance. Comme vous? Je ne dirais pas que je suis millionnaire comme je le veux. Ok. À ce jour, oui, million en termes de chiffre d'affaires, je l'avais dit d'ailleurs avec quand je parlais de ça, chiffre d'affaires et l'argent cash ou les valeurs nettes, c'est deux choses complètement différentes. Oui, nous brassons millions en termes de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas ce que nous voulons, c'est pas ce que nous cherchons. Qu'est-ce nous que vous cherchez alors? Nous voulons plus parce qu'il y a plusieurs opportunités. Le Congo, c'est le pays magique, c'est le pays aux mille opportunités, c'est le pays quand tu es entrepreneur, tu connais ce que tu veux, ce que tu cherches, tu peux dormir pauvre aujourd'hui, tu te réveilles demain millionnaire, parce que le Congo est encore vierge. Certaines opportunités, grandes opportunités sont dans les mains de certaines entreprises non éligibles. Alors notre combat, c'est de bouter dehors toutes ces entreprises non éligibles afin que des Congolais comme nous ayons accès à des grands marchés. Juste pour parler de ça, si vous aviez suivi le communiqué de la RESPE sur le groupe ERG, moi j'ai participé à ces réunions préparatoires. Il y a eu pratiquement 10 entreprises qui ont brassé durant l'année 2023 plus de 450 millions de dollars, 10 entreprises seulement. Et toutes ces entreprises que de prêtes, non, des entreprises étrangères. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Moi, je pense la faute est partagée sur ce point. Il y a la faute des Congolais eux-mêmes. Les Congolais doivent arrêter d'être naïfs. On te propose un petit montant, tu signes un document dont tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants. Mais aussi à l'époque... C'est à quel niveau ça? Au niveau de quoi? Du guichet unique de création d'entreprise. Donc ça veut dire une entreprise étrangère, pour qu'elle soit éligible au Congo, il faut qu'il y ait un Congolais qui occupe 51% de part dans cette entreprise. Alors certains étrangers expatriés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent son jardinier qui maîtrise. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai. Il y a des vidéos qui existent comme ça. Okay. J'ai participé dans des réunions. C'est écœurant. C'est aberrant. Ça fait tellement mal qu'on ait pris quelqu'un que l'on paye 500 dollars à la fin du mois, mais pour une entreprise qui a gagné durant la même année 250 millions de dollars. Ça se fait dans ce pays-là. Et c'est ce que nous sommes en train de fustiger. C'est notre combat. C'est notre leitmotiv chaque fois que nous nous levons. Aujourd'hui, oui, mes enfants n'ont pas faim. Je peux rester chez moi et me terrer et manger tranquillement mon pain. Mais je ne serai pas tranquille parce que je suis un leader. Je dois me battre pour que le Congo voie clair, pour que les choses changent finalement pour tout le monde, pour un grand nombre. Je pense que s'il faut qu'on fasse une émission sur ce qu'il faut faire dans le secteur de la sous-traitance, ça va nous prendre toute une émission parce que moi j'aimerais bien, comme beaucoup de Congolais d'ailleurs, comprendre vraiment quels sont les enjeux, les tenants et les aboutissants. Mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu de façon restreinte. Si je peux vous demander qu'est-ce qui doit vraiment concrètement être fait aujourd'hui dans ce secteur pour que les Congolais se retrouvent comme vous le demandez, qu'est-ce qu'il faut vraiment qui manque? Moi, je pense qu'il y a...
Il y a une dynamique qui est déjà mise en place avec la respect, les recommandations directes. N'est-ce pas que l'on dit au grand mot, grand remède. Comme quoi ? Le mal est tellement profond qu'aujourd'hui, la loi dans son état actuel ne donne pas assez beaucoup de marge de manœuvre à la respect pour introniser des Congolais dans des marchés en termes d'émir. Donc il faut changer la loi. Déjà que la loi doit être modifiée. J'ai commencé ces démarches il y a depuis 4 ans, mais souvent des députés qui ne maîtrisent rien de rien, quand vous avancez un tout petit peu, on l'appelle à gauche, on lui donne un peu d'argent, et il déchante et puis il te fouille. Je rappelle que vous avez été candidat aux dernières élections. C'était le but. La première des choses que j'aurais pu faire à l'Assemblée, c'était la modification de la loi 17/00 en fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Mais je pense qu'il y a déjà une dynamique. Il y a actuellement des commissions qui ont été mises en place, dont je fais partie moi-même. La commission sur le contenu local, la commission sur la révisitation de la loi sur la sous-traitance. C'est déjà des bonnes choses. On n'attendra pas les députés, je pense, avec le gouvernement, le président a compris. Ça, c'est une priorité. Je pense que dès que le gouvernement sera mis en place, il faudra que l'on commence par là. Pourquoi ? Parce que le président lui-même n'a d'yeux que sur l'entrepreneuriat. La réussite de son nouveau quinquennat n'a de regard que sur l'entrepreneuriat. Il veut léguer un héritage, créer plus de 5 millions d'emplois. Et lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est le président qui le dit que cela ne peut être possible que par la promotion entrepreneuriale. Et quand on parle de la promotion entrepreneuriale, il est question de la sous-traitance, il est question de la 022/30 relative à la promotion des startups et des PME. Voilà les choses qui doivent être faites en toute urgence. Je pense que dès le premier jour que Madame Toulouka sera adoptée par la plénière de l'Assemblée nationale, l'un des premiers travail qu'elle doit devoir faire, se regarder cette commission qui est en ce moment au ministère des PME, voir comment est-ce qu'elle peut aider le président dans ce contexte. Parce que quand vous lisez le plan quinquennal du président, le premier axe, il parle de la création de plus d'emplois par la promotion de l'entrepreneuriat. Et tout le travail doit devoir commencer par là. Et c'est ce que nous demandons. La respect est en train de faire ce qu'elle peut, mais avec beaucoup de combats. Vous avez appris récemment ce qu'il y a eu entre la FEC, la respect, nous autres entrepreneurs PME. C'est une imbroglio. Nos aînés qui veulent pas nous laisser assez d'espace. Ils pensent qu'ils sont les seuls à bénéficier du bien-être congolais. Ce pays oligarchique sous le plan politique, ils veulent pérenniser cette oligarchie. Même sous le plan économique, c'est que nous disons non. Pour ça, là, nous n'allons jamais céder. Alors, c'est pour ça que je pense, vous n'avez pas, j'ai dit tout à l'heure, vous avez postulé pour devenir député national. Malheureusement, vous n'avez pas été élu. Et en janvier, vous créez le Fonds commun de la jeunesse. Alors, j'ai deux questions sur ça. Est-ce que, d'abord, pourquoi avez-vous créé ce Fonds commun pour la jeunesse ? Parce que, quand je vous écoute, vous êtes pour le rajeunissement de la classe politique congolaise. Il y a deux questions. La première, est-ce que c'est la frustration de ne pas avoir été élu qui vous pousse là-bas? Parce que c'est une plateforme politique. La deuxième, c'est qui vous appelez jeune? Parce que finalement, il y a une confusion qui est jeune et qui ne l'est pas. Tout à fait. Alors, frustration, non, je ne suis pas un frustré. Mais moi, je pense que je suis un avisé. Déjà avant les élections, moi, à Colouésie, nous avions essayé cette dynamique, appeler les jeunes, que nous sommes face à des personnes rodées, des personnes qui ont été au pouvoir depuis les années 90, pour certains qui ont travaillé avec Lumumba, Mobutu, et qui veulent continuer aujourd'hui. Ils maîtrisent bien le terrain. Il faut que nous nous mettions ensemble, que nous cherchions sur quelle plateforme devons nous présenter, mettre nos égaux de côté, faire des bons castings, présenter des jeunes sur toute l'étendue de la République pour que les choses marchent bien. Mais la plupart des jeunes, pour la plupart d'entre nous, imbus de nous-mêmes, n'avions pas vu les choses de cette façon. Nous sommes partis en ordre dispersé et le résultat payé cash, les mêmes personnes sont revenues au pouvoir. Il n'est jamais trop tard. Quand vous parlez des mêmes personnes, vous parlez de qui ? Les mêmes personnes incompétentes, les mêmes personnes voleuses, les mêmes personnes tristes. C'est d'eux que nous parlons. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Le président l'a aussi répété. Ils ont triché, ils ont tripatrié les résultats des élections. Qui ne le sait pas ? Nous le savons tous. Qu'à cela ne tienne, nous nous sommes dit, mais bon, ils l'ont fait. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Réorganisons-nous, rappelons nos troupes, mettons-nous ensemble pour nous préparer pour l'avenir. Vous savez, le Front commun, c'est pas juste une plateforme politique, c'est une plateforme économico-politique. Nous voulons cette indépendance financière, parce que la plupart des jeunes
Congolais sont manipulés parce qu'ils ont faim. Et nous sommes dit, nous avons besoin d'être une classe des jeunes qui n'avons pas faim, une classe des jeunes non manipulables. Je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un m'appellerait pour venir chanter pour lui. Dès l'instant que nous nous rassemblons les jeunes, nous finançons des projets des jeunes. J'en suis déjà à 120 jeunes ici à Kinshasa et dans les provinces qui ont été subventionnés, pas même pas financés, hein, subventionnés par le FCJ que je dirige sous fonds propres. FCJ, c'est quoi ? Le Front commun de la jeunesse. Okay. Alors le Front commun de la jeunesse, je vous ai posé la question. Qui est jeune, qui ne l'est pas. Déjà, est-ce que c'est un état d'esprit ou c'est le nombre d'années. Il faut prendre la jeunesse au premier et au deuxième degré. Ok. Je commence par le deuxième degré. La jeunesse est un état d'esprit. Un état d'esprit des personnes renouvelées, des personnes qui voient les choses différemment, des personnes qui s'adaptent aux enjeux de l'heure pour changer l'avenir. C'est ce que nous appelons jeune. Au premier degré aussi, c'est évident. Mais comment est-ce que vous voulez qu'un pays se développe dès l'instant que les mêmes causes produisant les mêmes effets, mais nous ne voulons pas le changement. C'est-à-dire, les mêmes personnes qui ont été ministres en 2002, en 2006, en 2012, en 2015, en 2018, en 2023, elles veulent revenir, qui n'ont jamais eu des bons résultats. Ce sont déjà des vieilles personnes. Nous appelons vieilles personnes toute personne, permettez-moi que ce soit péjoratif, mais c'est la vérité qu'elle blesse, mais c'est celle-là. Toute personne ayant déjà travaillé par le passé pour le gouvernement sans donner des bons résultats est une vieille personne. Pour nous, jeune ou pas, n'a pas droit de revenir. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Le président a fait confiance aux femmes, a fait confiance à certains jeunes. Une catégorie des jeunes qui nous ont foutu la honte, une honte que l'on ne sait pas comment décrire. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre eux viennent des partis politiques, ce que nous fustigeons encore. Il n'y a pas d'expertise qui est dans des partis politiques, il faut que l'on voie ailleurs. Donc les jeunes en âge, oui, des jeunes dynamiques qui ont compris les choses, qui ont compris le changement, des jeunes qui ont encore de l'énergie. Vous voyez par exemple, aujourd'hui, je suis en train de me battre pour que le ministère de quoi ? De la grippelle, agriculture, pêche et élevage, soit donné à un jeune. Pourquoi ? Ouais, parce que dans nos discussions, vous aviez dit ça. Vous voudriez que ce ministère soit donné à un jeune. Jeune veut dire quelqu'un qui n'a pas encore travaillé, selon vous, ou encore quelqu'un qui est moins âgé que... Non, enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas encore travaillé. Un jeune. Quelqu'un qui travaille, oui. Pas forcément en politique. Oui. Qui vous a dit que l'expertise s'acquiert en travaillant comme ministre ? Non. Attends, c'est saugrenu d'une étrangeté. Être ministre, c'est politique, on est d'accord. Oui, c'est politique, ouais. Mais c'est aussi technique. Il y a certains ministères qui sont moins politiques que techniques. Et pourquoi ? Comment vous voulez un ministre de quoi ? D'entrepreneuriat qui n'a jamais été entrepreneur de toute sa vie ? Pour qu'il donne quel résultat ? On se moque de qui là ? Comment vous voulez un ministre d'agriculture, pêche et élevage qui n'a pas 50, qui n'a pas un hectare de champ qu'il a déjà cultivé de toute sa vie ? On se moque de qui là ? Politique ou pas, on n'a plus besoin de ça. Et le président n'a pas de choix. Nous n'allons pas tolérer cela. Vous savez quoi ? Cette fois-ci, nous avions acquis la confiance de la jeunesse. Nous n'allons pas marcher ou faire ce que les autres font ou chercher à prendre le pouvoir par la force. Non, nous allons clamer le droit. Les juristes disent que le droit est curable et nous allons le faire. Le président a tout intérêt de ne pas nous amener des gens, par exemple à l'agriculture, quelqu'un qui serait en fin de carrière, une histoire de le remercier, va te reposer là-bas. Dès l'instant que le Congo a faim, le Congolais a faim, il n'y a pas de nourriture. On a besoin des managers, des personnes qui voient les choses différemment, les personnes qui sont capables de changer la donne. On a besoin beaucoup plus d'un ministre qui comprendrait mieux actuellement ce qu'on appelle l'agriprenariat. Mais quand vous dites « le président n'a pas de choix, cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire », que comptez-vous faire ? Vous savez, il y a certains ministres, on les nomme… C'est une sorte de menace. Attends, nous avons nos droits. D'ailleurs, c'est le président qui le dit. Je me demande ça, je répète les paroles du président, si je ne m'abuse pas, il est dans le Grand Équateur à l'époque. Il dit « je me demande comment est-ce que les gens qui ont faim… » qui souffrent et continuent à acclamer ceux qui les font souffrir. Ça, c'est le président de la République, Félix-Antoine, qui dit cela. Et à nous de dire, s'il nous amène des personnes incompétentes, et je vous dis, ce qui est incompétent, c'est une personne à qui on a déjà donné des responsabilités publiques
Il a été incapable d'en assumer les conséquences. Il a été incapable de donner un nouveau vent. Il veut revenir parce que quota politique. C'est une personne incompétente. Nous n'allons pas tolérer, nous n'allons pas accepter que ces genres de personnes... Vous n'allez pas tolérer, vous y revenez d'ailleurs. Venez dire, le président n'a pas de choix, nous n'allons pas nous laisser faire. Vous allez faire quoi? Supposons que ça se fait, parce que là, le gouvernement va arriver dans quelques jours. On ne connaît pas encore la composition de ce gouvernement-là, c'est vrai. Vous passez notamment dans cette émission pour dire ce que vous pensez du futur gouvernement. Mais supposons que... S'ils le font, vous faites quoi? Une rébellion? Bon, pas une rébellion. Nous sommes des pacifistes. Okay. Nous aimons ce Congo plus que tout au monde. Il y a des moyens légaux par lesquels nous pouvons passer pour clamer nos droits. Et moi, je pense que nous allons marcher, pas seulement marcher, et nous allons seulement comprendre que le président est contre cette jeunesse qu'il pense protéger, que le président est contre le développement de la République. Nous allons tirer des conséquences. Mmh. Cette fois, tu vois, et nous autres, personnellement, moi, nous avons soutenu le président, et pendant même la campagne, nous l'avons soutenu parce que nous avons cru en sa volonté de bien vouloir créer une classe des millionnaires congolais. Si par exemple aujourd'hui on nous amène un mauvais ministre de l'agriculture, on nous amène un mauvais ministre de l'entrepreneuriat, on nous donne un mauvais directeur du FOGEC, on nous donne un mauvais directeur à l'ANADEC, nous comprendrons que le président dit une chose et ce contraire. Alors pourquoi ministère de l'agriculture, vous avez un intérêt particulier? Oui, on dit quoi? Le premier problème du Congolais c'est manger. Comment dans un pays où on parle de terre, en termes de millions d'hectares de terres arables, mais nous importons tout à 90%, alors que depuis 1960, nous avons des ministres d'agriculture qui se succèdent. Le Congo, c'est le paradis sur terre, où il arrive deux fois, tu es dans ta parcelle, tu n'as pas semé quelque chose, ça pousse sans engrais, ça te donne quoi? Des fruits. Je l'ai dit tout à l'heure au début de cet entretien, que vous n'avez pas votre langue dans la poche, j'espère que ça va rester comme ça tout au long de l'émission, mais quand vous... dites ça, quand vous réclamez les choses, quand vous demandez le changement, parce que vous êtes quelqu'un qui est connu pour dire tout haut, est-ce que vous voulez dire que vous pensez que vous pouvez être un bon ministre de l'agriculture ou de l'entrepreneuriat? C'est ce que vous demandez? Je dirais oui et non. Mm-hmm. Si par exemple aujourd'hui on me proposait d'être ministre des Finances, vous savez quoi, j'y refuserais. Mm-hmm. Si on me proposait aujourd'hui d'être ministre de Plan, j'y refuserais. Mais si on me dit... soit ministre de PME, j'accepterai volontiers parce que je connais comment, par où je veux passer, quoi je veux toucher, où est-ce que je veux bouger. Allez, pour que l'entrepreneur... On va faire simple. Vous êtes aujourd'hui ministre de Petites et Moyennes Entreprises. Pourquoi la première décision que vous prenez? La première décision? Le premier arrêté. Je vous l'ai dit. La première décision serait de revisiter la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Une loi capitale pour la création de millionnaires, ce serait aller voir le président qui est signateur de l'ordonnance loi 22/030 du 8 septembre 2022 sur la promotion des PME et des start-up. Parce que vous savez, par exemple, avec l'ordonnance loi dont je viens de parler, dans l'un de ces articles, si je m'amuse, l'article 30-40, elle stipule que 40% des marchés publics sont réservés à la sous-traitance congolaise. Mais comment vous voulez que le Congo se développe alors que Milvest vous construit le centre financier, on vous amène des manœuvres, même des maçons de la Turquie? Comment vous voulez ce changement-là? Comment vous voulez qu'aujourd'hui on veut donner 1 milliard de contrats à la même entreprise pour qu'elle construise l'aéroport de Djili alors que cette loi n'est pas encore mise en place? Nous allons nous imposer. Vous savez, 40% de 1 milliard, c'est 400 millions. 400 millions dans les mains des entrepreneurs congolais, c'est suffisamment beaucoup pour qu'aujourd'hui, on parle demain d'une création, d'une banque de crédit, une banque d'investissement congolo-congolaise. Okay. Ça serait l'une de mes premières décisions. Mmh. Vous savez, aujourd'hui, les entrepreneurs souffrent de quoi? Nous souffrons du manque de financement. Les banques au Congo, ce sont des banques tribales. Passez-moi le terme. Les Libanais subventionnent, financent les Libanais, les Kenyans font de même, les Indiens font de même. Et ça ne laisse pas la place aux entrepreneurs congolais d'avancer. Il nous faut aujourd'hui une banque congolo-congolaise. J'en ai parlé avec le président de la République. Nous savons des mécanismes que nous pouvons mettre en place. Je suis disposé, je suis disponible. Aujourd'hui, ministre de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ministre des PME, je vous assure que l'année qui suivra, au Congo, nous aurons
une réelle banque de crédit, une banque d'investissement générée par des Congolais eux-mêmes. Et si vous le faites, si vous n'arrivez pas à le faire, on fait quoi ? Non, je le ferai parce que je connais comment faire. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de manque des banques congolaises, des marchés congolais, des marchés qui sont octroyés à des étrangers. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il y a un problème au sein du Congolais lui-même ? Bon, je l'ai beaucoup entendu et ça se voit quelquefois dans notre façon de faire les choses. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part que c'est nous le problème, le Congolais, c'est-à-dire le manque des sérieux dans ce que nous faisons ? Je ne parle pas de la globalité, enfin, je parle de la globalité. Est-ce que c'est pas notre manque de sérieux ? Non, moi je pense que le manque de sérieux est au niveau politique, pas au niveau économique. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, il y a opportunité. Parce que Marius Munga serait neveu d'un ministre quelconque, on lui donne un marché dans un secteur qu'il ne maîtrise pas pour le simple fait qu'il a des acquaintances politiques. Ça, je le dis au président de la République, on n'a pas besoin des entrepreneurs politiques. Il y a des politiciens qui créent des petites entreprises chaque jour dans le but de capter des marchés. Ils créent des opportunités tout autour de leur famille pour capter les marchés. Et c'est là qu'on dit que le Congolais sérieux. Comment est-ce que vous voulez donner un marché technique à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur de toute sa vie et vous voulez qu'on vous donne des bons résultats? Ça ne marche pas. Moi, je pense plutôt qu'il existe des Congolais sérieux. D'ailleurs, les Congolais sérieux existent à Foison, Marius. Mais il y en a partout et dans tous les secteurs. Mais comment vous... Télécom, dans le secteur des mines, d'accord, dans le secteur... Ça peut être débattu parce que nous sommes dans un autre propre pays, notre propre pays, il n'y a aucune banque congolaise. Ça, c'est quand même un signe. Ce n'est pas forcément politique. Il y a des hommes, des gens qui ont des moyens, comme vous. Vous en êtes un exemple, par les jeunes, mais qui... peuvent avoir des banques en RDC, mais le fait de ne pas l'avoir, c'est quelque part aussi nous qui ne sommes pas sérieux. Vous pensez ? Non. Regarde. Il y a un problème avec nous-mêmes. Le président de la République lance le FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Idée ingénieuse. Parce que l'entrepreneur souffre de quoi ? De garantie auprès des banques. C'est le mal de l'entrepreneur. Mais est-ce que vous savez que cette structure, à ce jour, depuis sa création, je m'imagine 2021, si j'ai bonne mémoire, n'a jamais été une garantie pour un seul entrepreneur ? Ils font quoi ? Bon, ils se sont mis à financer des petits projets de 2 000, de 3 000, de 5 000, de 10 000 dollars, de 50 000 dollars. Alors on dit bien ce que de fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut mettre entre ta main un fonds de garantie que vous prenez pour subventionner ou pour financer ? J'en ai eu des discussions avec mon aîné qui est le directeur jusqu'ici. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on doit changer. Il y a des politiques qui doivent être mises à contribution pour que les choses changent. Vous savez, avec le FOGEC, ne parlons même pas d'une banque. Si ce fonds de garantie, voulais-je dire, était mis en place réellement, ça servirait pour que les entrepreneurs se retrouvent de l'avant. Déjà, il y avait des discussions à l'époque, allant dans le sens... Vous savez, parfois, on nous demande, une banque, tu pars chercher l'argent, on te demande 20%, 22%, 28% de taux d'intérêt. Alors qu'on connaît bien qu'au Congo, la marge bénéficiaire ne dépasse pas les 30%. Alors, il y a dans votre regroupement Front commun de la jeunesse, vous dites, vous luttez contre l'utilisation de la jeunesse comme outil de service et vous êtes contre toutes ces autorités morales ou leur façon de faire. Comment ça ? Un message à la jeunesse de mon pays. Il est grand temps que les choses changent. Il est grand temps que nous nous réveillons. Il est grand temps que nous enterrons nos insuffisances. Ils viennent encore de nous le prouver. Ils viennent encore de nous le démontrer. Comme qui dirait, plus intelligents que leurs enfants n'existaient pas. Plus techniques que leurs épouses ou leurs maîtresses n'existent pas. C'est une vérité qui fait mal. Je me demande comment ces jeunes, nos jeunes Congolais, continuent encore à danser et à clamer pour ces autorités morales. Quand il y a des opportunités, c'est leurs membres de famille directe qui sont proposés sur des listes. Alors que les partis comptent des millions de quoi d'adhérents.
Comment est-ce possible depuis des années, nous allons continuer à pérenniser ce pays oligarchique? Et c'est pas moi qui le dis, il y a une personne qui l'a bien dit, qu'il y aurait seulement 60 familles qui se sont pérennisées au pouvoir depuis Lumumba. Alors que la jeunesse ne sert qu'à danser, à chanter et à écrire des mémos du genre « Nous, les ressortissants de Bakwa Djanga, nous, les ressortissants de Bunagana, nous, les ressortissants de quoi ?» De Manon, non ? D'accord. Quand il est question maintenant de partage de gâteaux, on n'a pas de gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils ne veulent pas laisser d'opportunité aux jeunes. À mi-mesure, si moi je ne suis pas là, c'est mon épouse, c'est mon fils, c'est ma cousine. Ça doit s'arrêter. Chers jeunes Congolais, il est grand temps que nous nous réveillons. Je nous demande de nous rassembler tous au sein du Front commun de la jeunesse pour dire non à cette façon de faire de nos aînés qui nous ont précédés. Déjà qu'ils ont échoué lamentablement, le Congo est en train de marcher sur des béquilles. Le Congo est moribond, et c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le président de la République qui l'a bien dit, que Mboke Koufanango Kala, il veut encore laisser les mêmes personnes qui ont tué ce pays l'enterrer. Nous n'allons pas accepter l'enterrement de notre cher beau pays. Nous allons réanimer le Congo, le remettre sur les rails afin que les choses aillent de l'avant. À vous écouter, à vous entendre, j'ai l'impression que d'un côté, vous soutenez la politique du président de la République, mais de l'autre, vous vous plaignez aussi du fait qu'il ne fait pas assez. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Ouais. Je soutiens le président. Je n'ai pas besoin de me berner, de me leurrer. Je soutiens le président de la République jusqu'ici. Je pense jusqu'à la sortie. Oui, jusqu'ici. Jusqu'à la sortie du gouvernement. Jusqu'à la sortie du gouvernement. Vous voulez voir. Aux 3 mois après la sortie du gouvernement, je le soutiendrai. Le président a fait beaucoup de promesses. On en a eu l'opportunité de lui en parler. Cette fois-ci, on n'est plus à la phase de promettre les Congolais. Il ne lui reste que 4 ans et 6 mois pour qu'il soit président. Ça ne servira à rien d'avoir soutenu le président pendant 10 ans et qu'il n'y ait pas eu de résultats. Si le président fait des mauvais choix, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le pouvoir régalien, le président a le mandat de faire certains bon nombre de choses par lui-même, pour lui et pour... Parce que quand les choses ne marcheront pas, vous savez, surtout nous autres qui sommes étiquetés Louba déjà, de par nature, et surtout qui avions soutenu le président de la République... Vous voyez, le mal qui nous attend après, je ne serai pas complice de certains choix qui iront dans le sens de ne pas bouger les lignes. Nous avons besoin des grands signes. Vous savez, je n'ai pas besoin forcément d'être élu ministre. Je ne suis pas la seule personne capable de le faire au Congo. Mais il y a quand même des personnes qui inspirent confiance. Mmh. Comment voulez-vous qu'on donne le pouvoir au même? Même si c'est sous fond politique, non, c'est comme ça que ça se fait. Moi, je pense à un certain moment, il faut qu'on apprenne à changer les choses. Mmh. Alors, Donner le pouvoir à quelqu'un qui a échoué pendant 30 ans et vous voulez qu'il vous donne d'autres résultats. Là, nous allons laver nos mains, nous regarderons, j'irai m'asseoir chez moi tranquillement dans ma ferme, faire mon champ et laisser que le temps coule, qu'ils échouent bonnement et puis nous reviendrons en 2028. Et alors là, ça veut dire beaucoup. J'ai discuté avec vous et vous êtes de ceux qui pensent que l'un des problèmes, parce que vous dites que le président peut faire des choses, mais il ne les fait pas, que l'un des problèmes, c'est que le président, son entourage aussi, ne lui permet pas ou ne l'aide pas à faire de bons choix. Ou vous êtes convaincu de ça? Oui, oui, tout à fait. Le président est très mal entouré. C'est plus serré l'épaule chinelle. Le président est très mal entouré. Il doit devoir s'assumer. Il faut que le président chasse 70% des personnes qui lui entourent fort, malheureusement. Il va finir, je pense, je m'imagine, en 2027, au mois d'août, il nous sortira la phrase fétiche de Gilles Kaka. Hein. Laquelle? Mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas changé l'homme congolais. Il ne s'est pas arrêté là. Oui. J'ai cherché, j'ai fouiné, j'ai patrouillé. Je n'ai pas pu trouver 15 personnes pour développer le Congo. Je pense que le président dirait la même chose. Et moi, je n'acclamerai pas. Je dirais, monsieur le président, vous l'aviez voulu parce que vous avez fait des choix. Mmh. Alors, il est grand temps, nous avons 4 ans pour changer les choses, 4 ans pour booster les choses, 4 ans pour que les choses avancent finalement. Ouais, un peu. Le président doit prendre des bonnes décisions en ce moment. Que ce soit au niveau de ses conseillers, que ce soit au niveau de son cabinet, voulais-je dire, que ce soit au niveau des ministères. Qu'il fasse tout. Mais par exemple, le ministère de l'Entrepreneuriat, le ministère de l'Agriculture, vous savez, le ministère de BTP, qu'on construise des routes au Congo, qu'on donne du pain aux Congolais, que les jeunes entrepreneurs deviennent des millionnaires, je pense
Ça sera une honneur que nous lui ferons en 2028 pour l'accompagner, que vous avez été un excellent président de la République. Voilà, les millionnaires existent. Pas en termes de chiffres d'affaires. Oui, des choses se font, des petites choses. Nous avons besoin des grandes choses qui doivent refléter l'image de la grandeur de notre pays. Marius, vous trouvez comment que quand on publie chaque année le Guinness de records, il n'existe pas un seul Congolais milliardaire. Je sais qu'il en existe, vous êtes sur le voleurs. Vous êtes sur le chemin d'en devenir un. Des voleurs, des tricheurs, ces gens qui ont tué, qui veulent enterrer le Congo, c'est eux qui gardent des millions, des milliards dans leurs comptes, dans des comptes fictifs. Ils ne savent pas utiliser cet argent parce que c'est de l'argent sale. On n'a plus besoin de l'argent sale au Congo. C'est cet argent sale qui se retourne contre le Congo, qui fait la guerre à l'Est. Il faut aujourd'hui que tout soit quadrillé, que les jeunes entrepreneurs, l'avenir de notre pays, le présent de notre pays soient accompagnés. Le président le veut. Je crois en tout cas en sa bonne volonté de le vouloir. Mais il faut qu'il s'implique pour que ça se fasse, qu'il nomme des bonnes personnes. Il n'a pas de choix. Sinon, nous n'allons pas nous faire avoir, nous laisser faire. Non. Mais je connais quelqu'un aussi qui a dit, qui disait souvent, on ne va pas se laisser faire, mais apparemment, il ne parle plus. Qui ça? Ben, les Congolais qui nous suivent le savent. Alors, il y a... on ne va pas se laisser intimider, par contre. Alors, il y a le... On va finir par là, on va essayer de brosser un tout petit peu l'actualité en République démocratique du Congo. Parlons de revoir la Constitution. Je suis pas, je n'ai pas envie de parler de changer ou réviser. Revoir certains articles de la Constitution dont a parlé le président de la République lors de son passage en Europe. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, je pense que beaucoup de choses doivent être modifiées dans cette Constitution. Notamment, il faut d'une manière ou d'une autre que la culture du contenu local soit constitutionnelle. Je suis entrepreneur, je ne resterai jusqu'à la fin. Moi, ce qui me concerne dans cette Constitution... Oui, des lois parfois sont faibles, mais quand c'est constitutionnel, ça prend une ampleur quelconque. Regardez par exemple, aujourd'hui, en Afrique du Sud, on parle du Black Economic Empowerment. C'est constitutionnel chez eux. Rien ne peut se faire en Afrique du Sud sans un Sud-Africain dans ce business. Au Nigeria, la loi du contenu local est constitutionnelle. C'est sacré, on n'y touche pas. Dangote est le fruit de cela. C'est ce qui est. Tous ces milliardaires nigérians sont les résultats de ces lois. Moi, je pense aujourd'hui, il faut qu'on change beaucoup de choses. Il faut qu'on modifie suffisamment beaucoup de choses pour que le Congolais se retrouve à aller de l'avant. Les histoires politiques, je ne toucherai pas assez, mais moi, je pense, pour ceux qui concernent quoi. Regardez par exemple une loi qui existe depuis 1950, combien 58 ou 59, la loi sur le petit commerce. Mais comment est-ce que vous voulez que le Congo se développe alors que le Libanais vient vendre même dans nos rues? L'Indien vient vendre son téléphone dans nos rues de Kinshasa. Il n'existe pas des RS que sur des textes, mais en vrai, il n'existe pas. Il faut des lois fortes. Par exemple, cette loi, il faut qu'on rende certaines choses constitutionnelles. Regardez, j'ai discuté avec des amis à peine hier. Le Congo a la chance d'être un pays grand, pas seulement grand, mais on parle de 105 millions d'habitants. Même nos faiblesses peuvent devenir notre force. Je m'explique. Nous sommes un grand consommateur. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si le pays se mettait, le président tape sur la table, qu'au Congo, désormais, la licence d'importation d'huile végétale passerait par M. Marius, d'office, vous devenez milliardaire? Ou dans les jours qui doivent venir. Si on dit, par exemple, la licence d'importation de farine de maïs pour la zone centre-sud, on donne à 10 personnes. On n'interdit pas aux gens de faire le commerce, mais on donne cette licence. Tout le monde doit devoir passer par ces personnes. Voilà, nous avons besoin du changement radical. Okay. Des choses qui... Parce qu'on consomme 5 millions, ça consomme chaque jour. On va finir, parce que là, on est arrivé à la fin de notre entretien, mais dernière question par rapport à ce sujet-là, justement. Certains détracteurs du président de la République pensent que c'est une sorte de manœuvre du président de rester longtemps au pouvoir, peut-être de se représenter en 2018. Le soutiendrez-vous s'il le fait? Non, je ne soutiendrai pas le président pour qu'il se représente en 2028. Parce que lui-même n'a pas soutenu l'idée que le président Joseph Kabila se représente en 2016. Je soutiendrai
que le président modifie la constitution pour le bien-être de Congolais, mais pas pour, dans le seul but de se représenter en 2028. Non. Très bien. L'autre sujet d'actualité. D'ailleurs, lui-même dit qu'il n'a nullement envie de faire ainsi. Hein. Ouais. Je ne prends que ses propres paroles. D'accord. Alors, il y a autre sujet d'actualité rapidement. Il y a cette tentative de coup d'État manqué annoncée par l'armée congolaise le dimanche dernier à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez de cette mésaventure ? Je parlerai en deux volets. Je dirais premièrement aux jeunes Congolais, de partout, au Congo et à l'étranger, il y a des bonnes façons de faire développer notre pays. Et la meilleure, c'est le travail. Nous avions accepté de rester dans ce pays, un pays magnifique, un pays merveilleux, un pays aux mille opportunités. Nous avons travaillé durement, ce n'est pas facile, c'est dur, mais nous avions résisté, nous avancions, et aujourd'hui on n'a pas faim. Je n'ai nullement envie d'aller vivre en Europe. J'entends ce jour si les jeunes disent. C'est vous, hein. J'entends les jeunes dire Topé sa poteau chance. Non, moi je leur dirais Topé sa Congo chance. Il n'y a pas mieux que vivre au Congo. Le Congo, c'est le seul pays où tu as toutes les opportunités encore ouvertes et disponibles. Tu as acquis de l'expérience, de l'expertise à l'étranger, viens investir au Congo. J'ai appris que Marius Munga veut investir au Congo. Voilà les jeunes dont nous avons besoin. Voilà la bonne voie, travailler avec toute cette expérience que vous avez acquise aux États-Unis, revenir au pays, donner votre lumière, faire rêver les Congolais. Vous êtes unicorne dans votre domaine. On vous a vu commencer dans ces médias-là. Vous avez travaillé pour des personnes. Aujourd'hui, vous êtes patron de votre propre boîte. C'est ce que les jeunes doivent comprendre. Mmh. Et c'est pas tous les jeunes qui ont la... Ils doivent comprendre. En Europe, ils ont la même et le Mugwezati, il n'y a rien en Europe. Mmh. Que des stress, que cumuler des stress. Et à ceux qui pensent qu'il faut prendre des armes pour renverser les institutions, c'est une mésaventure de mauvais goût. Il faut arrêter. La seule voie pour prendre le pouvoir, j'emprunte les mots du président Moïse Katumbi, resterrer les élections. Si tu échoues en 2023, comme le président Moïse Katumbi, comme le président Martin Fayoulou, vient te représenter en 2028. Voilà. Et cette fois-là, nous serons challengers parce que nous-mêmes aussi, nous pensons nous présenter cette fois-là, comme ça... Les ambitions ne meurent pas, monsieur Don Israël Mouis, c'est votre nom. Je vous remercie, je rappelle donc que vous êtes entrepreneur, directeur d'entreprise, vous êtes père de famille. Vous avez père de triplé. Triplé, donc d'où le nom de triplé. L'héritage de mes enfants, en fait. Très bien, félicitations. Mmh. Ils vont bien, c'est des garçons, des filles ? Deux filles et un garçon. Oh, et mon garçon est né Benny Gershon, donc j'en ai quatre. Voilà. Très bien, allez, on les embrasse. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. On vous donne la caméra pour un dernier mot à tous ceux qui vous ont suivi aujourd'hui sur le grand plateau de Marius. Le Congo, pays magnifique, pays merveilleux. Le paradis sur terre où coule le lait et le miel, nonobstant les circonstances fâcheuses que nous traversons, nonobstant les guerres interminables dans la partie orientale de notre pays. Mais ce pays, c'est un pays d'espoir. Chers jeunes, je nous invite à travailler durement. Ça ne sera pas facile, je ne vous mentirai pas. C'est difficile dans les conditions actuelles, mais il faut se battre jusqu'au bout. Se battre, cette fois-là, pas seul, mais se battre ensemble. Nous devons nous unir tous ensemble comme un seul homme, nous battre pour que le changement soit une réalité, une vérité. Nous battre pour dire à ceux qui nous dirigent que le Congo ne leur appartient pas. Le Congo n'est pas un pays oligarchique, le Congo est un pays où tous les citoyens ont des droits, ont des devoirs. Autant que le président en a, autant nous les avons. Ce pays nous appartient à nous tous, nous devons nous battre pour son bien-être. Travaillons, bossons. Et rendons-nous fiers d'être Congolais. Disons au monde que nous ne sommes pas seulement un pays des lâches, mais un pays des résilients, des personnes qui savent ce qu'ils cherchent. Et cette fois-ci, ce que nous cherchons, c'est le développement de la jeunesse, le développement de l'entrepreneuriat, le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous aime. Merci, merci beaucoup, hein, monsieur Don Israël Mboui, d'être venu nous voir. Et puis, on vous souhaite un bon retour. Vous êtes toujours permanent au Colésie ou Colésie. Et bravo pour ce que vous faites pour les animateurs, les journalistes de là-bas. J'apprends que vous les soutenez et les artistes. Okay. Merci beaucoup de faire ça. On n'a pas pu parler de ça, on en parlera. On aura sûrement l'occasion de se revoir et de continuer à discuter. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis au nom de tous ceux qui m'ont
aider à être chez vous aujourd'hui. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Merci de continuer à suivre le grand plateau de Marius. Et surtout, si vous avez l'opportunité de nous critiquer, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas, n'hésitez pas, envoyez-nous toutes vos critiques et suggestions. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner très nombreux à notre chaîne YouTube Marius Mwunga Media. Au nom de tous ceux qui m'ont soutenu, Jerry Gibango, Junior Lombo et Josaphat Mombo, je remercie mon réalisateur Scotty Mukonkole au nom de toute cette équipe. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver très bientôt dans un autre numéro du Grand Plateau de Marius. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.